secours, j'écoute. Alors la police, venez vite, je vous en supplie. Arrête, demande, allez, brouille. Je m'appelle Timéo Espéron. Je suis un adolescent de 15 ans et demi. J'habite au 51 avenue de l'Église. Drôle d'adresse. Il y a 3 mois, j'ai été la victime d'un dramatique accident de la route dans lequel j'ai perdu la plupart de mes capacités motrices. Depuis, mon fauteuil roulant est devenu mon principal compagnon. Je ne pensais pas qu'en invitant mes amis à venir passer la soirée chez moi, le samedi 2 juillet 2011, j'allais vivre l'une des nuits les plus marquantes de ma vie. Ça va, t'inquiète pas, on est grand, on va pas faire de bêtises, t'inquiète. Oui. Tu manques aussi, maman. Oui, je sais, maman. On a fait tout ça. Ne vous inquiétez pas, ce soir mes parents ne rentrent plus donc. C'est un fait de vie! Je cours! Oh, c'est pour toi. Allez, 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 all
là, ça vous a pas suffi? Mais quoi, c'est pas qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit là? Allez, Timéo, allez. Allez, Jeanne, ramène-moi. Ramène-moi dans ma chambre. Non, mais t'es assez grand pour te débrouiller tout seul, non? T'es en retrait là, tout seul. Bah, je te plais pas? Allez, viens avec nous. Non, t'as déjà trop vu. Allez, Théo, viens. Comme ça, tu seras mon ange gardien. Mon protecteur. De toute façon, t'es déjà morte. Alors, vous aimez votre frère? Oui. Il s'appelait Timéo. Parlez-moi de lui. Pourquoi vous voulez que je parle de lui? Il n'est pas là. C'est bien votre frère qu'on recherche. Mais oui, puisqu'il a disparu. Il est mort? Quoi? Lucille. Quand l'avez-vous vu? Pour la dernière fois. Je sais pas. Je me souviens plus. Il me semble l'avoir vu dans une soirée. Quelle soirée? Une soirée qu'on avait organisée. Je vous parle de quoi pour vous? De son physique, de son caractère, de quoi? Oui. Décrivez-le-moi. Il a 15 ans. Il est assez grand pour son âge, brun, les yeux marrons. Il est réservé. Vous confirmez, Laura? Pourquoi voulez-vous qu'elle confirme? Vous pensez que je mens, peut-être? Tout le monde ment à votre âge. D'ailleurs, c'est bien Tristan, non? Mon frère? Non. Vous? Moi? Vous êtes muet? Non. Vous n'avez rien à dire? Je ne vous aime pas. On ne risque pas d'avancer si vous y mettez de la mauvaise volonté. Mais on n'y met pas de la mauvaise volonté, monsieur. On vous l'a décrit, on répond à vos questions. Et vous savez, si on vous appelait, c'est parce qu'on a tous besoin d'aide. Je pense que vous m'avez appelé pour vous donner bonne conscience. Non.
Mais quelle bonne conscience. Timéo était avec nous, mais il était fatigué, alors il s'est rendu dans sa chambre et quand je suis allée le voir l'instant d'après, il n'était plus. Il avait disparu. Quoi? Ah! Disparu! Mais oui, c'est pour ça qu'on vous a appelé, pour que vous le retrouviez! Vanessa! 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 Et tout le monde sera content, voilà. Et fin de l'histoire maintenant. Tu le connaissais bien, toi, Théo? Oui, c'est mon cousin. Tu n'as rien à dire? Non. Tu confirmes tout ce qu'elles ont dit? Oui, je confirme. Vous voyez? Alors laissez-le tranquille. C'est votre unique déposition? Ben oui, que voulez-vous qu'on dépose d'autre? Vos regrets. Mais qu'aurions-nous à regretter, monsieur? On veut juste que vous meniez une enquête pour retrouver mon frère. Et vous l'aimez? Oui, plus que tout. Ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus tous ensemble. On voulait faire une soirée pour se retrouver. De leur conscience. Pourquoi? Vous me rendez triste. Vous vous êtes gâché. Divaguez, monsieur. Vous êtes fou. Vous vous êtes gâché. Vous vous êtes gâché. Vous savez, monsieur, il n'y a pas de mal à faire une fête avec des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Que nous est-il arrivé? Non mais tu vois bien que je conduis, mais arrête, je t'assure que je descends, je te mets une emplâtre là, mais tu me gênes.
Voici le sombre drame dont j'ai été la victime. Voici la nuit qui a changé le cours de ma vie. Aujourd'hui encore, le doute m'envahit. Je ne sais pas si c'est mes amis disparus que j'en veux le plus, ou au verre d'alcool de trop qui les avait consommés cette soirée-là.